puis enlever le ressort après. Ou soit, ben pour aller plus facilement, je peux enlever celui-ci. Hein. Voilà. Si tu veux, tu peux l'enlever. Comme ça, tu as toute la place pour. Tout qui sort. Ouais. J'ai des clés spéciales. J'ai des clés spéciales pour les tuyaux de frein. Comme ça, ça ne glisse pas. Ça prend presque la même forme du bout du tuyau. Donc, je dois les utiliser. Là, je dois desserrer le purgeur. La mécanique, c'était en 2008. Je me préparais à un examen. Quand mon papa m'a appelé, il m'a dit, mon fils, c'est plus la peine de passer l'examen. Tu vas te retrouver en mécanique. Bon, je l'ai mal pris, mais après, ben, on m'a amené dans un garage. Parce que pourquoi j'avais mal pris? Au pays, les mécaniciens, je peux dire, c'est quelque chose, quand tu le vois, c'est pas comme ici, tout le monde, les mécaniciens, ils sont propres. Hein, c'est pas comme maintenant, je suis un peu propre. On est un peu toujours sale, mais je me dis, ben, comment je vais quitter les bancs d'école et me retrouver dans cette saleté, quoi. Mais on m'a amené dans un garage où tout était propre comme ici. Et alors, j'ai cherché à... J'ai cherché à aimer la mécanique, j'ai commencé. Je faisais plus de paresse, mais à un moment donné, j'ai dû aimer, quoi. En fait, je suis arrivé en Belgique en 2011. En juillet 2011, j'ai commencé à chercher des écoles. Pourquoi le CFA? Bien évidemment, au Togo, je suivais aussi les cours. Une semaine de cours et 3 semaines chez le patron. Donc, arrivé en Belgique, j'ai cherché le même système. J'ai fait la 5e année en mécanique et j'ai fait la 6e année en mécanique l'année passée où j'avais eu mon diplôme de mécanique. J'ai aimé la mécanique. Je peux dire, j'ai commencé à aimer la mécanique grâce à Pierre Paulus. Ça, je le dis parce que quand je suis arrivé là-bas, les professeurs et tout, ils m'ont motivé. Il y avait M. Thierry qui n'arrêtait pas de me ramener des cours et tout. Talbi qui n'arrêtait pas de ramener des voitures sur lesquelles je dois travailler. Ce sont eux qui m'ont fait aimer la mécanique, finalement. Attends 2 secondes. Ouais, tu peux démarrer. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Parfois, tu rentres dans des garages, dans des garages où ils ont de la place, mais dès que tu arrives, déjà, le patron voit un noir, il dit, il n'y a pas de travail, tu sais, depuis le matin, on est là, on grandit, il n'y a rien, on ne sait pas prendre d'apprenti, quoi. Mais tu retournes ou tu passes par là 2 jours, 3 jours après, il y a toujours un nouveau qui est arrivé. Donc, c'est des trucs comme ça. Moi, j'ai eu comme difficulté. Mais à part ça, bon, je peux dire ça va. Ça va. Du début, le début, j'avais eu du mal à m'adapter. Moi, j'ai commencé en Afrique. En Afrique, on a toute une journée pour une voiture. Mais ici, c'est question de temps, donc les patrons, ils nous stressent. C'est pas quand même la bonne façon, quoi. Moi, j'ai pas aimé parce que j'ai appris à travailler avant. C'est pas maintenant je vais commencer, on va me montrer, c'est comme ça, il faut tenir la clé et tout, non. C'est des difficultés comme ça, moi, j'ai eu. Donc, il y a pas mal de choses que je peux dire. Non, tu mets là, hein. Ou là. Mamie, il n'y a pas la place pour relever la voiture. Ben, tu prends 2 chandelles alors, Abiva. Tu mets une chandelle là et une chandelle là. Ok, ça va. Patron, non. Il faut acheter la plomb de 60. En plus, c'est même pas droit d'auteur. Tu vois, donc, il faut se donner du courage, avoir un peu plus de patience. Moi, j'aime bien encourager les gens. J'aime bien dire, calme-toi, ça va aller et tout. Souvent, c'est moi qui pleure le premier, mais ils sont là pour m'encourager. Et pourquoi ça vous donne envie de pleurer? Déjà, tu arrives, l'effort que tu fais, c'est rare de trouver un patron qui apprécie l'élève. À l'école, oui. Les professeurs peuvent vous apprécier, pour vous encourager à aller de l'avant. Si ça ne va pas, il va vous dire ça ne va pas, il va vous conseiller, c'est pour ça les accompagnateurs sont là. Moi, parfois, je rentre, je dis, ben, demain, je dis à mon papa, c'est mieux que j'arrête. Mais demain, le lendemain, je suis le premier à me lever sur le lit. Hein.
Je me lève, je fais mes petits soins, je prends mon sac. Ok, en avant la musique, je viens au boulot, je travaille. Va qui par là, par là. Si vous prenez votre voiture, vous allez acheter. Si moi je trouve un patron qui veut bien m'engager, je travaille. Si je ne trouve pas, je peux continuer. Puisqu'il fait la septième année, ce qui va me permettre peut-être de faire la gestion. Et après la gestion, si je veux, si j'ai le moyen pour ouvrir un garage, je peux. Mais dans le cas contraire, si je ne trouve pas, je vais continuer à chercher de gauche à droite pour travailler chez des patrons. Je ne veux pas rester. Si je reste sur place, au moins je perds un an ou quelques mois à la maison. Je risque de perdre tout ce que j'ai appris. Donc pour le futur, c'est ce que je pense. Continuer soit les études ou continuer à travailler chez un patron si je trouve.